quand on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu'on est vraiment, avec sa grandeur et sa faiblesse. Seigneur, j'y ai cru au miracle. Mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand on regarde bien. Mais il y en a tant et tant de personnes qui demandent quelque chose. On est trop nombreux aussi, c'est ça. C'est comme au loto. Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin. Donc demain matin, tu te rappelles, on se lève à 6 heures. Bienvenue Patricia, vous allez bien? La route n'a pas été trop longue? Non. Ici, on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans. À chaque fois qu'on vient à Lourdes, elle se lave avec l'eau Dieu d'ici. C'est pour ça que je prends un bidon à chaque fois. J'accompagne un groupe un peu particulier. C'est les personnes qui se prostituent à Paris, que tous les ans on emmène en pèlerinage ici. C'est très beau. On m'a envoyé un truc là, une apparition de la sainte. La sainte qui a apparu à la grotte. Il y a 300 personnes qui l'ont vue. Comme on arrive à Lourdes là, on a l'impression que la Vierge Marie elle nous console, comme une maman console ses enfants. Quand on a la foi, on dépasse les montagnes.